Hola, avui al Clavé un artista plàstic capaç d'anar més enllà de l'essència dels objectes I els espais. Serge Mendjisky torna a la revolució cubista de Picasso a través de la imatge fotogràfica manipulada. I a la recta final del programa també us explicarem els darrers preparatius que està fent la ciutat per l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Metòdic, hàbil, enginyós. Així es podria qualificar Serge Mendjisky, un pintor que utilitza la tècnica del collage fotogràfic. Un autèntic investigador artístic que multiplica els diversos punts de vista en cadascun dels seus quadres. La Ville, Coeur és el títol de l'exposició que sobre la seva obra li dedica la galleria Ville de l'Arte. De bord, 60 ans de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de réflexion sur tout le travail que j'ai fait et tout le travail que je dois encore faire. Et quand je regarde une de mes expositions, c'est toujours très difficile pour moi parce que je regarde et je suis le premier critique. Et je ne vois pas toujours ce qui va, mais je vois toujours ce qui ne va pas. Alors quand je regarde une exposition comme ici, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Ici, il y a, je crois, une vingtaine de tableaux, un peu du monde entier. Il y a Paris, il y a New York, il y a Venise, il y a un peu le monde entier. J'ai eu la grande chance dans ma vie d'être très ami avec Picasso. Et les dernières années de sa vie, Picasso, j'étais chez lui toutes les semaines. Et un jour, j'ai fait la photo de mes enfants et je les ai découpés et je les ai collés et j'ai montré à Picasso. Et Picasso a regardé ça longtemps et il m'a dit, un jour, toi, tu vas faire du cubisme avec la photographie. C'est un travail très lent. Chaque œuvre est faite avec 4 ou 500 morceaux différents de photos. Je découpe. D'abord, je fais les photos. Après, je choisis les photos. Après, je les découpe. Et après, je rassemble. J'aime beaucoup voyager dans le monde et il y a des villes qui me parlent et d'autres villes qui ne me disent rien. Et c'est très drôle parce que vous savez, et vous avez peut-être déjà eu ce sentiment d'aller dans des villes, on dit ce sont de très belles villes. Et vous allez dans cette ville et pour vous, il n'y a pas de coup au cœur. Et puis des fois, des villes qui ne sont pas célèbres, vous avez le coup au cœur. Moi, c'est aussi ça.